y a une information sociale à avoir, et dans Charlie Hebdo, Bernard Maris, qui a été assassiné le 7 janvier, passait son temps justement à porter cette nécessité d'une évolution vers une économie sociale et solidaire. Je suis convaincu que les sociétés anonymes à rendement lucratif, c'est terminé. Et il faut impliquer beaucoup plus, et le seul moyen d'impliquer les gens, c'est justement sur la notion de coopérative, de manière à ce que l'ensemble des salariés se sentent impliqués dans l'objet de l'entreprise. Maintenant, sur le rôle des médias, c'est évident qu'ils ont un rôle à jouer, et pas seulement sur un rôle d'événementiel ou d'immédiateté, comme on voit avec des chaînes d'infos qui distillent comme ça en permanence une pseudo-analyse, mais qui vont beaucoup trop vite. Il faut qu'ils prennent du temps de manière à analyser les sujets. Et c'est très important sur les conséquences qui a été rappelé en début de ce rassemblement sur le réchauffement climatique. Et un dernier mot sur l'implication. Je crois que là encore, les médias sont un outil et l'ensemble de la population, que ce soit dans le réchauffement climatique ou sur un combat qui, vous le comprendrez, me concerne en plein maintenant, le combat pour défendre la laïcité, c'est bien entendu, tout le monde est acteur. Il ne suffit pas, et on n'a pas à être simplement... Il ne faut pas croire qu'on n'est pas acteur si on ne passe pas à la télévision, par exemple. Je crois que ce qui est essentiel, c'est de comprendre le rôle de la rue. Il faut redévelopper une économie de proximité de rue. Il faut arrêter de fermer les cafés, il faut arrêter de fermer les kiosques, il faut arrêter de former le commerce de proximité. Il faut refaire vivre la rue. C'est une idée extrêmement moderne. Et deuxième point, si on veut avancer, c'est l'intercoopérativité entre les systèmes. Il faut arrêter que des systèmes, vous le voyez au niveau de l'État, mais vous pouvez le décliner dans plein de systèmes, se tirent la bourre pour faire exactement la même chose ou sur les mêmes champs. Et c'est la complémentarité qui est une très grande modernité politique et sociale.